Acclamez Yahvé, gens de toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, et venez à lui avec des chants de joie, et venez à lui avec des chants de joie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous rassemble ici pour faire ta volonté. Sois avec nous, accorde-nous ton Esprit Saint, qui nous guide tout au long de cet enseignement, qui nous inspire, qui nous donne la sagesse et l'intelligence nécessaires pour mieux comprendre et interpréter les Saintes Écritures. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à cet enseignement mensuel de la Bible. Le mois passé, on avait parlé du livre des chroniques, les deux livres des chroniques. Et ce mois, nous allons parler du livre de Tobie. Nous allons par contre sauter le livre d'Esdras et Néhémie, parce que Néhémie et Esdras reprennent le contenu des chroniques. Donc, ça ne sert à rien de nous répéter, mais d'aller en avant à travers le livre de Tobie. Mais ce qu'on peut retenir quand même du livre, des livres des chroniques, c'est que les livres de chroniques nous apportent des éléments supplémentaires qui n'ont pas été présentés par les livres de Samuel et des rois. Alors, ce que les livres des chroniques nous apportent sont des choses qu'on devait normalement retrouvé dans les livres de Samuel et des rois, mais qu'on ne retrouve pas. Alors le livre de Chroniques revient donc sur certaines choses en détail. Et parmi ces choses, il y a des généalogies. Le livre de Chroniques nous présente une généalogie qui part d'Adam jusqu'à l'exil. Et vous savez que l'exil était une épreuve difficile pour le peuple d'Israël, et le peuple a connu deux exils. Les livres des chroniques reviennent aussi sur le gouvernement de David en détail. Ils nous disent, voilà ce que David a fait, ses intentions, ses idées, ses projets, les projets qui ont été réalisés, les projets qui n'ont pas été réalisés. Donc, les livres des chroniques reviennent en détail sur tout ce que David a fait. Et le livre des chroniques nous permet de nous arrêter effectivement sur la figure de David, comme le roi par excellence, comme le modèle de roi que le Dieu attend aujourd'hui et que le Dieu a toujours attendu. Ce modèle de roi qui renferme une qualité de piété qu'on retrouve rarement chez les rois. Et cette qualité de piété de David trouve son expression dans les psaumes. La majorité des psaumes, environ 73 psaumes, ont été attribués à David. Nous voyons comment David prie, comment David danse, comment David va au temple, comment David va conquérir Jérusalem, qui est devenue la capitale sainte, la capitale de référence des Juifs. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir des livres de chroniques, en tenant compte aussi des 7 traits de l'alliance que Dieu avait établi entre son peuple à travers David et lui. Et nous avons, le mois passé, effectivement, établi la différence entre l'alliance et le contrat. Ce qui nous a permis de comprendre que parfois, on peut vivre dans un contrat et croire qu'on vit dans une alliance. Parce que dans l'alliance, il y a l'amitié,
il y a la gratuité, il y a l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas d'abord notre propre intérêt, mais c'est l'intérêt de l'autre. Et l'alliance n'est pas renouvelable. L'alliance s'entretient plutôt. On entretient l'alliance. Or, le contrat, c'est le gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je gagne? C'est la première question qu'on pose dans le contrat. Et le contrat est renouvelable. Donc, je dis, on signe un contrat d'un an, de deux ans, de trois ans, mais le contrat n'est pas une alliance. Et ce que Dieu fait avec nous, c'est l'alliance. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut, il le fait gratuitement. Il s'engage gratuitement. C'est l'alliance que Dieu établit avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir le livre de Tobie. Donc, il y a Tobit qui se termine avec T, qui est le père, et Tobie qui se termine avec E, qui est le fils. Maintenant, dans les Bibles, on va voir le titre du livre Tobie avec T, selon que la Bible ou la traduction a voulu mettre l'accent sur le père. Ou on va trouver dans d'autres Bibles le livre Tobie avec E, selon que la traduction a voulu mettre l'accent sur le fils. Bon, moi, j'opte pour Tobie avec D, parce que pour qu'il y ait fils, il faut qu'il y ait d'abord père. Donc, s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. On ne peut parler de fils que par rapport au père. Alors, le livre de Tobie, c'est un petit livre qui compte 14 chapitres et qui nous parle de l'histoire d'une famille éprouvée. Éprouvée d'abord par l'exil, éprouvée aussi par les maladies, par les décès. Et ce livre nous présente aussi comment Dieu intervient dans la vie de ces personnes qui souffrent, que ce soit dans la vie du père Tobit, que ce soit dans la vie du fils Tobie, que ce soit même dans la vie d'autres parentés qui ont des liens avec Tobie. Raguel, qui est un parent de Tobie, et qui a une fille qui s'appelle Sarah, et Sarah qui n'arrive pas à se marier à cause d'un démon qui va assassiner ses maris et jusqu'à cette mari. Alors, c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans le livre de Tobie. Alors, il raconte l'histoire d'un père et d'un fils, et cette histoire est édifiante parce qu'elle nous illumine et nous concerne même aujourd'hui. Facilement, on peut actualiser lorsqu'on regarde un peu les relations entre les parents, les enfants, les relations au niveau des mariages, les relations même au niveau de la famille. On voit que le livre de Tobie peut beaucoup nous aider. La famille est déportée où? À Ninive. C'est tous les Israélites qui sont déportés à Ninive. Et c'est par les Assyriens. Les Assyriens, un peuple qui était plus fort que le peuple d'Israël et qui, par la domination, déporte à Ninive tout le peuple d'Israël. Et dans le peuple, il y a donc la famille de Tobie. Et cela a eu lieu en 722 avant Jésus-Christ. Et dans les malheurs qui vont donc frapper la famille de Tobie, on va voir qu'ils vont s'appuyer sur Dieu. Et il y aura un respect de la loi juive. Ils vont s'appuyer sur la loi, ils vont s'appuyer sur Dieu à travers la prière, ils vont s'appuyer aussi sur Dieu à travers les œuvres de miséricorde, comme enterrer les morts. Et le père Tobie, lui, le faisait parfois en cachette. Lorsque un mort tombait, il va dans la nuit, il prend le corps, il vient enterrer discrètement. Alors le contenu, le livre de Tobie nous revient donc sur les questions
du mariage, comment le livre de Tobie comprend le mariage et comment on peut se servir du livre de Tobie pour comprendre le mariage aujourd'hui. Les devoirs envers les morts, les devoirs envers l'autre à travers la question de l'aumône. C'était une famille aussi qui pratiquait beaucoup la charité. Et la charité de Tobie comme père, et la charité de Tobie comme fils aussi. Donc c'est les gens qui vivaient dans la crainte de Dieu. Alors le démon qui va détruire les maris de Sarah s'appelle Asmodée. Et Sarah était une belle fille qui était convoitée par plusieurs hommes. Et chaque fois qu'un homme s'engageait à épouser Sarah, la nuit même des noces, le démon assassinait le mari. Et ça jusqu'à 7. Et lorsqu'on parle de 7, vous savez que dans la Bible, les chiffres, les nombres ont toujours une valeur symbolique. Donc, jusqu'à 7, qui est le chiffre parfait, pour dire, elle a perdu beaucoup de prétendants, beaucoup de maris. L'intervention de l'ange Gabriel nous fait voir la présence de Dieu, le secours de Dieu dans cette famille. Et nous permet aussi de regarder, même dans la Bible, ce que les anges sont capables de faire et ce que les anges ont toujours eu à faire. Et comme je le dis souvent, Dieu nous envoie les anges pour nous protéger, pour nous conseiller, pour nous conduire. Mais dans ce livre de Tobie, c'est un peu particulier parce que l'ange va prendre l'aspect d'un homme. Il va prendre l'aspect d'un homme. Parce que généralement, les anges, ce sont des esprits. Les esprits. Et qui peuvent prendre des aspects. Et il y a eu toujours un débat au niveau du sexe des anges. Mais on va poser la question, l'esprit a quel sexe? Voilà. Mais l'ange Raphaël va prendre ici un aspect, l'aspect d'un homme, et va devenir le frère de Tobie, le fils. Il va donc l'accompagner, va donc le conduire, l'aider, conseiller Tobie et maîtriser le démon qui tuait les maris de Sarah. Tobie signifie donc Dieu est mon bien. Parce que Dieu intervient à partir de la providence quotidienne, la proximité bienveillante de Dieu à travers l'ange Gabriel, Raphaël. Et dans la Bible, on voit aussi les anges dans d'autres situations et d'autres contextes. Et on a déjà les noms, quelques noms qu'on connaît. Et la cour céleste est saturée d'anges. On connaît Raphaël, on connaît Gabriel, on connaît Michel, les archanges, et on connaît d'autres anges. Mais ces anges sont connus parce qu'ils sont intervenus efficacement pour dire, bon voilà, nous sommes les envoyés de Dieu, nous sommes les représentants de Dieu, nous sommes là pour aider. Alors l'enseignement qu'on peut garder de ce livre de Tobie est le suivant. Le livre de Tobie veut apporter un enseignement et un encouragement aux Juifs qui vivent isolés dans l'étranger. Les Juifs, comme je viens de le dire, ont été dominés par les Assyriens et ont été déportés. Alors ils vivent comme dans l'isolement, dans l'abandon, dans la souffrance, dans la tristesse. Mais le livre nous fait comprendre que dans cette situation, le seul appui reste Dieu, reste le Seigneur. Et le modèle par excellence de cet appui à Dieu
et donc la famille de Tobie. Ce livre nous rappelle aussi les règles de vie que doivent suivre les Israélites fidèles. Parce que Tobie, lorsqu'il sera éprouvé, il sera même aveugle. Tobie le père sera aveugle. Et lorsqu'il sera éprouvé, il va appeler son fils Tobie et va lui donner des conseils. Comme rappeler à Tobie les commandements pour lui dire, pour avoir le bonheur, pour gagner ta vie, pour être heureux, voilà ce que tu dois respecter. Voilà ce que tu dois vivre. Voilà comment tu dois te comporter. Et parmi ces respects, parmi ces conseils, il y a le respect des parents. Tobie revient sur la question du respect. Il y a l'aumône et la prière. Et comme nous rappelle le temps de carême, nous devons vivre dans la prière, nous devons pratiquer l'aumône. Il y a le service du prochain, être proche de l'autre. Il y a la question du mariage, comme je l'ai dit, mais le mariage selon la volonté de Dieu, conformément aux règles que Dieu nous donne. Et en vivant selon ces principes, les membres du peuple de Dieu conservent donc leur identité. L'identité d'être peuple de Dieu, l'identité d'être enfant de Dieu, l'identité d'être fils et fille de Dieu. C'est en restant fidèle à toutes ses prescriptions, à ses principes, et c'est par là qu'on devient aussi des justes. Ce livre a été rédigé entre les années 300 et les années 100 avant Jésus-Christ. Et le thème général du livre, c'est « Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles à lui ». Alors maintenant, dans le livre de Tobie, il y a une règle d'or. La règle d'or qu'on va retrouver dans l'Évangile, cette règle d'or vient du livre de Tobie. Mais dans le livre de Tobie, cette règle d'or a une forme négative. Dans l'Évangile, cette règle d'or a une forme positive. On voit une certaine progression. Alors c'est le livre... Et dans le chapitre 4 de Tobie qu'on va lire tantôt, au verset 14, c'est là où se dégage cette règle d'or. Mais ce qu'on doit retenir aussi, c'est que la règle d'or n'est pas l'invention du livre de Tobie. Pourquoi? Parce que dans les anciens écrits, que ce soit assyrien, que ce soit romain, que ce soit même chinois, on retrouvait déjà cette règle d'or, mais toujours sous la forme négative. Nous allons donc prendre cet extrait du chapitre 4. Nous allons lire jusqu'à la règle d'or pour essayer de comprendre. Donc, Tobie, chapitre 4, à partir du premier verset. Ce jour-là, Tobie pensa à l'argent qu'il avait déposé chez Gabaël, à Rages de Médie, et il se dit, « J'en suis venu à demander la mort. Je ferai bien d'appeler mon fils Tobie pour lui parler de cette somme avant de mourir. » Il fit venir son fils Tobie auprès de lui et parla ainsi. « Quand je mourrai, fais-moi un enterrement convenable. Honore ta mère et ne la délaisse en aucun jour de ta vie. »
Fais ce qui lui plaît et ne lui fournis aucun sujet de tristesse. Souviens-toi, mon enfant, de tant de dangers qu'elle a courus pour toi. Quand tu étais dans son sein, et quand elle mourra, enterre-la auprès de moi dans la même tombe. Mon enfant, sois tous les jours fidèle au Seigneur. N'aie pas la volonté de pécher, ni de transgresser ses lois. Fais de bonnes œuvres tous les jours de ta vie, et ne suis pas les sentiers de l'injustice. Car si tu agis dans la vérité, tu réussiras dans toutes tes actions, comme tous ceux qui pratiquent la justice. Prends sur tes biens pour faire l'aumône. Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. Mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins, mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est te constituer un beau trésor pour le jour du besoin. Car le monde délivre de la mort et elle empêche d'aller dans les ténèbres. Le monde est une offrande de valeur pour tous ceux qui la font en présence du Très-Haut. Garde-toi, mon enfant, de toute inconduite. Choisis une femme du sang de tes pères. Ne prends pas une femme étrangère à la tribu de ton père, parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères dès le commencement. Ils ont tous pris une femme dans leur parenté et ils ont été bénis dans leurs enfants et leur race aura la terre en héritage. Toi aussi, mon enfant, préfère tes frères, n'aie pas le cœur de mépriser tes frères, les fils et les filles de ton peuple, et prends ta femme parmi eux. Parce que l'orgueil entraîne la ruine et beaucoup d'inquiétude. L'oisiveté amène la pauvreté et la pénurie, car la mère de la famine, c'est l'oisiveté. Ne fais pas attendre au lendemain le salaire de ceux qui travaillent pour toi, mais paie-le tout de suite. Si tu sers Dieu, tu seras récompensé. Sois vigilant, mon fils, dans toutes tes œuvres et bien élevé dans toute ta conduite. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Ne bois pas de vin jusqu'à l'ivresse et n'aie pas la débauche pour compagne de la route. Parole du Seigneur. Voilà. Lorsqu'on écoute cet extrait, qu'est-ce qui vous frappe? C'est comme son testament qui donne la surprise. C'est un ses testament. Les dernières volontés. Alors, c'est les dernières volontés, c'est un testament. Quoi d'autre? Des règles de morale. Des règles de morale. Oui, des règles de morale. Des règles de morale. Ça s'apparente beaucoup à l'Évangile. Oui, c'est proche de l'Évangile, hein? Ça s'apparente à l'Évangile. Donc, effectivement, lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte que Tobie est en train de présenter à son fils ses dernières volontés. C'est son testament.
Et dans ce testament, en majorité, on rencontre des règles de morale, des conseils, des commandements qui peuvent être un rappel, mais c'est toujours nécessaire. Et ce comportement de Tobie nous pose une question aujourd'hui. Lorsque on écrit notre testament, ou bien lorsque on fait venir nos fils, nos petits-fils pour les dernières volontés, qu'est-ce qu'on met en valeur? La maison. C'est ça. C'est ça qu'on met en valeur parce que même les enfants, quand ils viennent, quand on dit, bon, papa nous invite pour les dernières volontés ou maman nous invite pour les dernières volontés, eux-mêmes, entre eux, ont déjà, bon, moi je vais revendiquer la maison, moi je vais revendiquer l'argent, telle somme, moi je vais revendiquer ceci, cela. Mais est-ce que dans cet héritage matériel, il y a aussi l'héritage spirituel? Ça devrait, mais dans plusieurs cas, c'est pas toujours ça, parce que on commence à distribuer les biens, on commence à distribuer l'immobilier, on dit si on veut être enterré ou incinéré, on dit bon, la question de la messe ou de la célébration à l'église, ça ne vient pas tout, souvent en premier. Parfois même, si le parent insiste, après sa mort, les enfants restent fiers à leur tête. Ça arrive. Bon, l'église là-même, ça nous coûte cher. On va faire vite dans le... Et ici, on voit comment Tobie appelle. Il dit, assois-toi. Il donne des conseils. Et ces conseils valent plus que l'héritage. C'est ça, parce que les conseils que Tobie donne à son fils Tobie valent plus que l'héritage. Parce qu'il va respecter ses règles de morale et il sera heureux. Et c'est ça qui va lui donner le bonheur. La maison qu'on reste avec, l'argent qu'on reste avec, forcément ne nous donne pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours inquiet. Oh, s'il y a catastrophe, je vais perdre ma maison. S'il y a inondation, je vais perdre ma maison. S'il y a crise économique, je vais perdre mon argent. Mais ce conseil de morale, ça reste gravé en nous. Ça reste gravé en nous. Alors, on doit toujours poser la question, soit aux parents, soit aux autres. Bon, maintenant tu nous as donné l'héritage matériel. Qu'est-ce que tu nous laisses comme héritage spirituel, comme héritage moral? Et nous-mêmes, on peut se dire, qu'est-ce que je garde de mon père pour que quand je vais faire telle chose, on va dire, ah, il fait comme son père. Qu'est-ce que je garde de mes parents, de ma mère, de telle sorte que quand les gens vont me voir vivre, on va dire, ah, il fait comme sa mère. Et les gens vont apprécier. Parfois, les gens disent, oh, avec le décès de tel, on ne peut plus aller là-bas parce qu'il n'y a plus personne pour nous accueillir. Quand son père était là, il nous accueillait, il nous invitait. Mais l'héritage, c'est que papa soit là, qu'il ne soit pas là, que la relation continue. Que les gens continuent à dire, on ne sent même pas que ton père n'est plus là. Parce qu'on se sent toujours accueilli comme s'il était toujours là. Alors on doit toujours chercher là une qualité de papa, une qualité de maman, qu'on va dire, moi je prends ça comme héritage. Ne vous inquiétez pas, même avec le départ de papa, vous serez toujours les bienvenus ici. Vous pouvez toujours nous appeler, vous pouvez toujours nous solliciter, vous pouvez toujours. C'est ce testament spirituel que peut-être
si vous, dans vos testaments, s'il n'y a pas encore cette partie-là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez ajouter cette partie en paix. En paix, oui, c'est ça, vous faites ça après-midi. En PS, vous dites, votre testament doit avoir deux parties. Partie ou trois parties. Mes volontés, donc tout ce que je veux, l'enterrement, ainsi de suite. L'héritage matériel, l'héritage spirituel. Et tel que je vais distribuer l'héritage matériel, je distribue aussi l'héritage spirituel. Je dis, toi, tu seras l'accueil, toi, tu seras le partage, toi, tu seras la piété, parce que c'est pas pas seulement qui allait à la messe. Mais j'avais vu une dame qui disait, je me suis engagée à l'église après la mort de ma mère. Pourquoi? Parce que je me disais, oh, quand maman meurt, personne d'autre dans la famille n'ira plus à la messe. Alors moi j'ai dit, pour honorer la mémoire de maman, je vais m'engager à l'église. Voilà un bel héritage. Et on va dire, bon, la piété, c'est elle. La messe, c'est elle. Et vous leur dites, si vous n'allez pas à la messe, vous ne prenez non plus la maison. Par exemple, ce genre encore, il laissait l'héritage. C'était la liturgie, les vies, il y avait bien sûr des 12 tribus. Un geste d'héritage spirituel. Voilà. C'est ça, donc. Il dit l'héritage spirituel des 12 tribus. Il donne que, bon, voilà, toi, tu vas rester avec telle chose, toi, tu vas rester avec... C'est un peu ce que Tobie fait ici. Et ça peut nous aider, c'est pour cela que je dis, ce livre est actuel. Il nous concerne aujourd'hui, parce qu'il parle des choses qu'on vit. Et parmi l'héritage que Tobie va laisser aussi à son fils, c'est l'enterrement des morts. Et vous savez que enterrer les morts fait partie des actes corporels de miséricorde. Et cette question d'enterrement des morts suscite une autre réalité actuelle, la question de l'incinération. Si on sait que l'Évangile nous dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Pour que le grain de blé pousse, qu'est-ce qu'il faut faire? Tombe en terre. Donc, il faut qu'il soit enterré. Parce que bientôt, on va recommencer nos jardins et tout et tout. Est-ce que vous pouvez prendre la semence et suspendre ou bien aller brûler, prendre les cendres de la semence pour... Est-ce que les cendres d'une semence peuvent pousser? Non. Non, hein? Ça ne peut pas pousser. Quand vous brûlez des semences, vous utilisez les cendres, ça ne peut pas pousser. Alors, moi je me dis, est-ce que la question de l'incinération ne pose pas une autre question, la question de la dignité? La question de la dignité de la personne. Est-ce qu'après la mort, la personne perd sa dignité? Non, hein? Non. Même après la mort, la personne doit garder sa dignité. Un cadavre, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que c'est ce corps, nous qui sommes chrétiens, qui va ressusciter à la résurrection des morts. Alors, si on brûle cette semence au lieu de l'enterrer, et en plus, on se partage les cendres. Alors je disais, à la résurrection des morts, comment cette personne va faire pour ressusciter? Parce que ces cendres sont à Ottawa, sont à Montréal, sont à Québec, sont dans des colliers, sont... Comment cette personne va faire pour ressusciter? Bon. Sûrement les gens ont leur raison, parce qu'ils disent... Oh, le corps, ça ne vaut plus rien, il n'y a plus la vie et tout, mais ce que nous devons savoir, c'est que la dignité continue jusqu'après la mort. Pardon? Rien n'est impossible pour Dieu. Oui, rien n'est impossible pour Dieu. Même si les hommes sont dispersés, il faut bien ce qu'il y a à faire. Oui,
même si les cendres, elle dit, même si les cendres sont dispersées, ils feront ce qu'il y a à faire. Mais pourquoi les cendres sont dispersées? Par ignorance. Voilà, vous comprenez. C'est par ignorance que... Parce que au fond, vous retenez la personne. Il faut libérer la personne. Il faut libérer la personne. Dites-moi, si 10 personnes, 20 personnes meurent dans votre famille, vous allez prendre toutes ces cendres et accrocher autour du cou. Il faut laisser la personne s'en aller. Il faut laisser la personne se reposer. Même si rien n'est impossible à Dieu, on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est ça qui va arriver demain avec les tentations. Lorsque le diable vient tenter Jésus, il lui dit, non, jette-toi de là à là, rien n'est impossible à Dieu, il va envoyer les anges te protéger. Non, parce que Dieu nous a donné une loi, Dieu nous a donné un code de vie. Et si on ne respecte pas cette loi, on va à notre propre perdition. Et peut-être les malheurs que nous assumons ou que nous endurons aujourd'hui peuvent aussi venir de là. Là, ça devient la question de la banalisation, non seulement de la vie, mais aussi de la mort. Ça devient comme une banalité. Puis ils disent dans l'incinération, mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité veut dire respecter quelqu'un après sa mort, respecter son corps, prendre soin de ce corps et l'enterrer dignement. Le rôle du feu, c'est quoi? C'est détruire. Lorsqu'on veut se débarrasser de quelque chose, les déchets, qu'est-ce qu'on fait des déchets? On les brûle. Mais les hommes ne sont pas des déchets. Le corps n'est pas un déchet. Alors, on ne peut pas dire... C'est juste des questions que la parole de Dieu nous pose, cette parole de Dieu nous fait réfléchir un peu pour dire, avec toutes ces tendances actuelles du monde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir? Est-ce qu'il n'y a pas des questionnements à se poser, à se faire. C'est sûr qu'aussi, il y a tout le côté, je dirais, espace. Parce que si on achète un lot, mettre 6 tombes au lieu de mettre 6 urnes, fait que ça aussi, ça a comme été proposé dans notre monde moderne, là, pour sauver de l'espace. Par contre, la chance, la famille de nombreuses, ça mourait. Mais l'Église, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit face à ça? Est-ce que nous qui sommes au courant aujourd'hui, là, est-ce que l'Église le permet ou elle nous dit, ben, on est mieux que vous fassiez en telle? Est-ce que c'est défendu de tester par l'Église? D'accord. Donc, je vais un peu reprendre les questions. La première question, c'est la question de l'espace. C'est la question de l'espace qui justifie le fait que les gens soient incinérés. La deuxième question, c'est la position de l'Église face à l'incinération. Concernant la question de l'espace, est-ce qu'il manque d'espace au Canada? Oui. C'est ça. Ça coûte cher, etc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Les lois des fabriques sont mal faites parce que, mettons qu'on a des terres depuis 100 ans qui appartiennent à nos parents, les corps sont tous décomposés. La famille devrait avoir le droit de remettre les corps dans les terres. C'est le droit. C'est ce qui est arrivé. OK. Oui, mais on peut vraiment les rendre à la terre. C'est ça. C'est ça. Oui, on peut faire ça avant ça. Mais vous savez aussi que ça aussi, toute part du monde qui. Bon, c'est laïque. Les cimetières, on s'en va. On a le droit, il y a de la place, vous avez raison, on n'a
60 ans. C'est ça. C'est pour cela que je dis, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser et nous sommes conscients que c'est un problème ou ça peut être un problème, mais est-ce qu'on peut faire des démarches, entreprendre des démarches pour dire, bon voilà, nous avons des députés, nous avons des maires, nous avons, pour que ce problème soit regardé minutieusement, si on dit, c'est une question d'espace. Bon, les terrains coûtent cher. Qui vendent les terrains? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des privés? Comment on peut faire pour que ce problème soit résolu? Chez nous, par exemple, au Cameroun, on enterre des gens dans des propriétés, sur les cours. Donc tu as ta maison, tu as ton espace, tes parents meurent, tu les enterres là. Et chaque jour, tu nettoies les tombes, tu vas déposer les fleurs, tu vas déposer les bougies, tu vas déposer. Mais maintenant, quand on va même dans des cimetières, on se trouve, on ne sait plus où papa se trouve. Parce que toujours à cause de l'espace, et puis il y a eu beaucoup de changements, de rénovations, beaucoup de morts, ainsi de suite. Alors, on ne sait plus où. Or, logiquement, lorsqu'on connaît la tombe du parent, quand on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la tombe, on prie, on interpelle la personne qui est partie. Mais si on ne connaît même pas où se trouve la tombe, ou bien si on s'est distribué des cendres, on peut toujours se dire, comment on va faire pour aller maintenant interpeller papa sur la tombe? Moi, j'avais été sans nouvelles de ma fille pendant 7 ans. Ma mère a décédé, puis en tout cas, par la providence de Dieu, elle a pu le savoir. Puis elle est partie de Montréal parce qu'elle savait que maman était enterrée à Drummondville. Puis elle s'est en allée là sur la tombe. T'sais. Fait que tu te dis, c'est, on est fait de sens, mais ça aussi pour nous, c'est important. À jouer, elle a passé les deux pieds là, dans la neige, là, puis à du moment où j'ai senti, tout mon corps a été réchauffé, j'étais là plus que 2 heures à lui parler. T'sais. Puis le père Zanotti, il disait, ton petit chien, tu l'enterres dans le cou, tu sais qu'il est là, tu mets tu sais qu'il est là. Mais papy, un peu dans le chat, un peu dans le fleuve, un peu ici. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Aujourd'hui, on a peur de la mort. On ne sait plus d'où ce qu'on vient, d'où ce qu'on va. Alors, il faut clore ça très rapidement. C'est pour ça qu'on en est, je crois, rendu là. On fait ça tout dans la même journée. Puis on ne prend même pas le temps d'exposer. Ça, juste ça. Exposer quelqu'un, c'est... Tu le fais, le deuil, là. Tu la vois, la personne qu'elle est. Mais là, on avait vu sur une petite photo, tu devais partir en voyage. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai vécu les deux. C'est très différent. Moi, de voir une personne exposée, moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je parle pour moi, mais ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil. Fait que ceux qui disent que de ne pas avoir un lieu, ben moi, je pense qu'on se trompe énormément. Il faut qu'on respecte ça, puis je pense que peut-être qu'une jeune, un peu plus tard, on va peut-être en comprendre la signification aussi pour nous de leur transmettre. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est des questions que la parole de Dieu nous pose et qu'on doit vraiment prendre conscience et se dire qu'est-ce qu'on fait avec. C'est surtout ça la question, se dire qu'est-ce qu'on fait avec et comment on peut. Parce que la question économique, mais je me dis toujours, tout à l'heure on parlait de la question de l'héritage et de tout et tout. Est-ce que dans le testament, la personne ne dit pas, voilà, il y a telle somme pour mes funérailles. Mais si on va dire la question économique, qu'est-ce qu'on fait du fonds qui reste pour les funérailles? Mais on s'est partagé beaucoup de choses, on s'est partagé les maisons, on s'est partagé l'argent, mais on ne peut pas enterrer la personne dignement parce qu'on dit économie. Et le monde continue à croître
Et à un moment donné, effectivement, dans des cimetières, il n'y aura plus, peut-être dans 50 ans ou 100 ans, il n'y aura plus d'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut créer des espaces. Il faut créer d'autres. C'est parce que chaque municipalité dise, bon, les cimetières dans les paroisses sont déjà saturés, il faut qu'on crée, qu'on ouvre un cimetière dans notre commune, dans notre territoire, et qu'on donne le temps, effectivement, aux gens de partir dignement. Il y a les cimetières d'automobiles, mais pas de personnes. C'est ça. En tout cas, ça nous permet aussi de prier pour toutes ces situations-là qui font que ça nous interpelle et ça nous invite à prier, à voir que la dignité de la personne ne finit pas avec sa mort. Que la personne. Voilà. Donc la règle d'or revient donc sur... Dans le livre, ne fais pas. Ah, l'Église, qu'est-ce que l'Église dit? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que l'Église dit? En tout cas, la position de l'Église est toujours claire. Mais sur la question de l'incinération, par exemple, je n'ai pas encore trouvé un document de l'Église qui prend clairement position. Mais l'Église prône l'enterrement digne de la personne. Oui, l'Église, mais en fait, partout avec les cendres, on fait pareil avec les cendres. On peut juste regarder à Rome. On n'a jamais brûlé un pape. On n'a jamais brûlé les casinos. On expose, on enterre. Et quand Yvan va... Je vais sur la tombe de Saint-Pierre. Je vais sur la tombe de Saint-Paul. Quand on va... Je vais sur la tombe de Jésus. Donc, ça veut dire que, personnellement, humainement, il y a toujours un lien entre la personne qui part et nous qui restons. Le lieu de l'enterrement, qui est la tombe, et nous qui restons. Donc, il y a toujours ce lien-là. Lorsqu'on dit, je suis allé prier sur la tombe de Saint-Pierre, ça a un sens, ça a du sens. Donc, c'est un peu ça, mais l'Église, c'est la liberté des enfants de Dieu aussi. L'Église propose, comme on dit, l'Église propose, mais ne force pas. L'Église n'oblige pas. C'est toujours des propositions. Alors, si ça peut interpeller les consciences d'une manière ou d'une autre. C'est... Il y a aussi une exception, peut-être que c'est pour ça que l'Église ne se prononce pas trop sur ce sujet-là, parce qu'on se souvient que Maximilien Cohen, eh bien, on sait ce que les Allemands faisaient avec les corps, donc on ne peut pas dire « je vais aller sur la tombe de Saint-Maximilien Cohen », mais elle n'existe pas, parce qu'il a été incinéré. Mais il y a eu beaucoup de saints qui ont été martyrs, brûlés, même Saint Laurent et plus autres saints qui ont été brûlés, mais ils n'ont pas été brûlés dans le sens de... Ils ont été brûlés parce que c'était le martyr. Donc c'est un peu différent. Le martyr brûlé et l'incinération. L'incinération, c'est que volontairement, on dit... On me brûle, je brûle. Mais le martyr, on te brûle pour te faire souffrir, pour te tuer. Ou bien ça va aussi jusqu'au mépris parce que les saints ont subi le mépris. Et si on va brûler le corps d'un saint, c'est pour dire on veut se débarrasser de toi, on veut. Donc tu es devenu une ordure, un objet. Il faut brûler pour s'en débarrasser. C'est un peu ça. Oui, Maurice. En tant que fils de Dieu, je suis pur esprit de Dieu. Donc, Dieu m'a créé parfait, pareil comme lui. Puis le Seigneur, quand il est venu, il y a 2000 ans, il avait dit, quand il est parti, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, mon esprit, moi, là, même que le monde. Je suis convaincu que ça, c'est la part humaine, c'est comme un véhicule humain que j'ai eu pour passer de cette
Je crois à la vie éternelle. Je suis convaincu que même ils arrivent au bord, on est tous unis dans l'Esprit de Dieu. Mm-hmm. Pour moi, là, c'est clair, clair. Puis je crois sincèrement ça. Mm-hmm. Donc, la dignité, c'est que je suis un fils de Dieu, Esprit pur de Dieu. Puis quand je traverse au bord, je retrouve où mon Père me dit que où est-ce que je m'en vais, Seigneur, où est-ce que je m'en vais, je ne peux pas venir dessus, mais tu vas venir m'en joindre. Puis je crois sincèrement ça. Fait que je suis un Esprit pur. Mm-hmm. Je suis un saint en devenir. Mm-hmm. D'accord. D'accord. On dit je crois la résurrection de la chair. L'incinération pour moi, c'est je suis du ciel pour tourner du ciel. Qui me brûle, ça, ce qu'ils voudront en faire, c'est pas important. L'important, c'est que je leur laisse les couleurs que Dieu m'a fait connaître depuis environ 40 ans. Mm-hmm. Parce que j'ai 75 ans, j'ai changé complètement. Mm-hmm. D'accord, je comprends ce que vous dites. La dignité de l'homme, c'est l'esprit, mais c'est aussi le corps. Parce que Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus nous a sauvés en tant qu'esprit? Jésus s'est incarné. C'est-à-dire, il a pris chair, il a pris corps. Et cette incarnation n'est pas chose anodine. Ce n'est pas par hasard que Jésus s'incarne. Jésus s'incarne, et si Dieu nous a créé corps, Dieu pouvait aussi nous laisser esprit. Dieu pouvait nous laisser esprit, mais il faut toujours se poser la question, pourquoi Dieu m'a donné un corps? Parce que c'est avec ce corps que vous vous déplacez de chez vous jusqu'ici pour le louer. Et c'est avec ce corps, en le louant, que vous gagnez le ciel avec votre esprit. Ça veut dire qu'on a besoin de notre corps. On est le temple de l'esprit. On est. Ce corps est effectivement, comme on dit, le temple de l'esprit. Donc, habite la maison de l'Esprit Saint. La maison qui porte l'Esprit Saint. Alors, est-ce qu'on peut dire détruisez la maison et puis on reste à l'extérieur, on reste en air. Et effectivement, comme dans le credo, on dit, je crois en la résurrection de la chair. Et il faut respecter notre corps, il faut respecter notre chair, parce que c'est cette chair, c'est ce corps que Jésus est venu prendre pour nous sauver. Et brûler, oui, je comprends, je suis poussière et je retournerai poussière. Ce n'est pas seulement en brûlant que je comprends que je suis poussière. Mais je suis poussière, je retournerai poussière. C'est dans le livre de la Genèse où Dieu va se servir de la terre pour façonner le premier homme, Adam. Donc Dieu se sert de la terre. C'est là où on dit, je suis poussière, je retournerai poussière. C'est pour dire, notre corps est fragile. Nous venons de quelque part. Et je dis même, je suis poussière, je retournerai poussière. Dans le livre de la Genèse, l'homme sort des mains de Dieu. C'est le produit qui sort des mains de Dieu. C'est le produit qui sort des mains de Dieu. Et le livre de la Genèse répond à une série de questions qui sont restées sans réponse. Et il y a des choses dans le livre de la Genèse qu'on ne peut pas considérer d'ordre historique. Ça fait que c'est un peu ça aussi. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite esprit ou corps? Le corps glorieux. Oui, c'est ça. Jésus ressuscite corps glorieux. Et Saint Paul revient là-dessus sur la question de la résurrection de la chair, notre chair, et il insiste sur la question de la dignité. Donc moi je me dis, à un moment donné, notre corps, notre chair que nous portons aujourd'hui a cette dignité et nous aurons comme des comptes à rendre aussi, parce que Dieu va aussi nous poser des questions. Qu'as-tu fait de ton corps?
Parce que le prochain que tu offenses, la personne sur qui tu frappes, c'est un corps, c'est une chair, c'est la masse que tu frappes. Mais l'autre dimension qui est spirituelle reste spirituelle et on va rejoindre Dieu dans cette dimension où nous serons tous en tout. Et dans le livre de Tobie, l'ange prend l'aspect humain. Ça veut dire qu'il a aussi besoin de la chair, l'apparence. Donc, en tout cas, c'est des questions délicates, c'est des questions qui peuvent toujours susciter beaucoup de débats, mais je me dis, faut à un moment donné peut-être interpeller nos consciences et chercher tous les éléments qu'il faut pour comprendre. Parce que quand on commence à négliger le corps, ça veut dire qu'on prend le corps comme l'ordure, comme l'objet. Et c'est la même chose qui arrive même avec la prostitution. Alors, si mon corps est objet, je peux le vendre. Je peux faire de mon corps un objet de marchandise, d'exploitation, toutes sortes de choses. Donc, c'est... Oh, oui, tout ça aussi, c'est, ça pose beaucoup... je pense que c'était Saint François d'Assise. Il négligeait son corps, il négligeait son corps, il négligeait son corps, mais à la fin de sa mort, c'est le seul péché qu'il a regretté. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné une âme, tu m'as donné... Il appelait son corps l'âne. L'âne, donc, mon âne, donc, qui me permet de me déplacer. Mais... Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait négligé quelque chose d'important. Oui, il y a beaucoup de saints qui ont fait ça. Et maintenant, il y a... Mm-hmm. Plusieurs saints. Il y a même la question de la mortification, la question de... Mais avec Jean-Paul II, il y a eu comme un sursaut d'une nouvelle spiritualité qu'on appelait la spiritualité du corps. Donc, je ne sais pas si vous avez lu les textes de Jean-Paul II sur la spiritualité du corps. Parce que l'Église, il y a toujours le souffle de l'esprit qui continue. Et cette question de la négligence du corps a longtemps été vécue dans l'Église où on disait « le corps ne vaut rien, c'est l'esprit qui vaut quelque chose, alors il fallait mortifier, il fallait... » faire ceci, fallait... Mais à un moment donné, l'esprit a rappelé à l'Église que, attention, c'est pour cela que Jean-Paul II revient avec la spiritualité du corps, la spiritualité qui prend en compte le corps. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même une certaine évolution. Mais toutes ces personnes sont des saints, des saints, mais il y a toujours un petit rappel qui dit attention quand même. Puis l'Église permet qu'on donne nos organes tout ça quand on est mort. Non, ça aussi c'est une autre question. Donc elle dit si l'Église permet qu'on donne nos organes. Oui, c'est ça. Parce que La question du don des organes est aussi une question commerciale. Quelqu'un va dire, après ma mort, je vends mon cœur. Ah, ça c'est des... Oui, ça c'est des greffes, c'est différent. Ça c'est différent. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Elle n'est pas d'accord avec ça. On met notre foi dans le Seigneur et on dit pardonne-nous de nos erreurs. Oui, c'est ça, mais Saint-Jacques nous dit si on va dire au Seigneur, laisse-moi d'abord aller pécher parce que je sais que tu vas me pardonner, ça devient aussi un problème. Mon rein à quelqu'un ou mon œil à l'autre, ou sinon je vais signer.
Non, c'est juste pour préciser, le don des organes, c'est pour l'aide à la vie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui a besoin de, je ne sais pas, de rein ou de quoi que quoi. Alors, il faut sauver la vie. Ça, c'est pour sauver la vie. Mais lorsqu'on se distribue les cendres, est-ce que c'est pour sauver la vie? Oui, ça peut être dans des bonnes intentions, mais ça peut aussi être une question d'ignorance. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'est pas averti, on peut poser certains actes sans savoir pourquoi on les pose. Oui, ça fait que. Non, mais je dis la finalité. Quelle est la finalité? Parce que ce n'est pas la même finalité. Quand je donne mon rein pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est dans le besoin, quelle est la finalité? C'est là où se trouve, c'est là où on doit situer le débat. On doit avoir un repère. Est-ce que la personne qui donne son rein pour sauver une vie, pour sauver une personne, on peut mettre cette personne-là au même pied d'égalité que les cendres qui se partagent entre les membres de la famille. Donc, soyons un peu réalistes à ce niveau-là. Mais pourquoi on veut le garder? Ça devient l'égoïsme. Non, on n'a pas besoin d'avoir des cendres de quelqu'un pour se souvenir de la personne. Parce que ces gens-là qui ont les cendres, ils ne vont jamais inscrire la messe pour le repos de l'âme de la personne. Quand la personne vivait, ils ne partaient jamais rendre visite à la personne. Quand la personne était malade, ils ne partaient jamais assister la personne. Quand la personne souffrait, ils ne partaient jamais. Mais quand la personne meurt, on prend ses cendres, pourquoi faire? C'est là où se trouve le problème. Et cette question revient dans l'Évangile. Il faut s'occuper des gens lorsqu'ils sont vivants, leur témoigner de l'amour. Ce n'est pas en gardant les cendres. Moi, je n'ai pas les cendres de mon père, mais mon père reste gravé dans ma mémoire. Et quand je vis des situations difficiles, je le prie, je l'invoque, je crie, je pleure, je dis, « Papa, si tu me vois, fais quelque chose. » Mais je ne fais pas ça parce que j'ai des cendres. Non, mais Ça dépend de ce qu'on vit. On peut prier. Oui, on peut prier Saint-Pierre ici, ici dans l'église. Mais quand on va à Rome prier sur la tombe de Saint-Pierre, est-ce que c'est la même sensation? C'est pas la même sensation, hein? Pourquoi les gens font les pèlerinages? Pourquoi les gens vont à Lourdes? Pourquoi les gens vont à Medjugorje? Pourquoi? Mais tu peux rester dans ta chambre et prier la Vierge Marie, là, ça suffit. Mais pourquoi tu fais un pèlerinage? Non, pas seulement pour être avec d'autres. Le pèlerinage, ce n'est pas seulement pour être avec d'autres. Si tu veux être avec d'autres, tu vas à l'église, tu vas dans les spectacles, tu vas n'importe où, tu seras avec d'autres personnes. Mais quand tu payes ton argent, tu prends ton temps pour faire un pèlerinage, pour aller à Medjugorje, pour aller à Rome, pour aller à la Terre Sainte. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu peux aussi rester dans ta chambre et dire, je vais prier Marie ici, je vais prier Jésus ici, et puis ça suffit, mais je me déplace. Donc aller sur la tombe d'un des miens, c'est comme faire un pèlerinage. Je fais un pèlerinage pour aller rencontrer cette personne. Parce que c'est symbolique, on a besoin du sensuel, du palpable, du visible. C'est pour cela qu'on se déplace. Oui? Moi, je pense qu'à quelque part, il faut apprendre aussi à se détacher et à laisser partir. Pour le défaut aussi, il y a besoin de partir. Parce que des fois, quand on les retient, il y a une souffrance aussi pour eux. On doit les laisser partir. Puis, je crois que
c'est symbolique, mais de faire l'acte, de se déplacer, c'est beaucoup. Mm-hmm. Il faut les... Dans ma famille, moi, il y a... Dans ma famille, le père est dans une urne et se promène d'un enfant à l'autre. Mm-hmm. Alors, et ils sont... Je remarque qu'ils sont tout le temps dans... sont tout le temps dans le passé. Mm-hmm. Et ils ne tournent pas à la page. Mm-hmm. Alors, c'est le monde qui souffre. Mm-hmm. Mais il ne faut pas intervenir. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense que c'est important de, dans l'acceptation du deuil, justement. Mm-hmm. D'accord. Alors, ils sont en train de revenir sur la question de retenir la personne et laisser partir la personne. À ce moment, on voit un peu la question de l'intérêt. Il faut toujours se poser la question, pourquoi je retiens la personne? Est-ce que je retiens la personne pour moi-même ou pour la personne? Parce qu'à un moment donné, même dans le couple, même dans la famille, on a parfois besoin de distance pour respirer, laisser respirer l'autre. Combien de fois la personne qui meurt, cette personne qui meurt a besoin de repos, a besoin de se retirer parce que la personne est déjà dans une autre dimension. Alors, il faut faire le deuil. Comme on dit en psychologie, en morale, il faut faire le deuil. On ne peut pas passer toute sa vie à se lamenter, à retenir papa qui est mort ou maman qui est mort. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Papa, tu es parti, maman, tu es parti, repose en paix, intercède pour nous. Et une fois à l'année, quand on célèbre les défunts, on peut penser à la personne, inscrire la messe. Mais si on ne tourne pas la page, si on ne fait pas le deuil, on devient comme prisonnier, prisonnière. Et on retient aussi la personne prisonnière. Donc, il faut une certaine liberté. La liberté intérieure, la liberté au niveau de la famille. En tout cas, pensez-y et puis on va continuer. On va continuer. En tout cas, elle revient sur la question de rendre grâce aussi pour la personne qui est partie au cimetière. Et c'est ça, c'est aussi l'action de grâce. Et la question de la mort est une question naturelle. Et on ne peut pas éviter la mort. Il faut l'accepter parce que c'est naturel. Si quelqu'un ne veut pas mourir, ne naît pas. Si tu ne veux vraiment pas mourir, quand tu es déjà né, c'est fini. Oui, c'est ça, tu es condamné à mourir. Quand tu es déjà né, tu es condamné à mourir. Et c'est parce qu'on ne veut pas faire face à cette réalité de la mort qui, en fait, n'est qu'un passage. C'est un on traverse. Donc, on est dans une dimension, la dimension matérielle, la dimension physique, la dimension corporelle. La mort nous fait traverser à une autre dimension qui est même la meilleure parce que les morts nous voient mais nous on ne les voit pas ou on les voit rarement et c'est ça il faut qu'on sache que la mort c'est pas la fin parce que les gens croient que la mort c'est la fin, c'est pour cela qu'on s'embrouille la mort c'est pas la fin c'est le début c'est le commencement. C'est tout un autre commencement, le commencement en Dieu, parce que avec la mort, on entre dans l'infini. On entre dans l'infini parce que nous, on est limité par le temps, limité par notre corps, limité, mais avec la mort, on entre dans l'infini. Mais naturellement, on a peur. Voilà, c'est ça. Je ne meurs pas, j'entre dans l'infini. J'entre dans la vie. J'entre au ciel. C'est beau? Mm-hmm. Bon, finissons avec la règle d'or. Le livre de Tobie suscite beaucoup de débats. Hein? En tout cas, continuez à débattre dans vos familles. Invitez vos familles, dites, avant de mourir, lisons le livre de Tobie.
Mettez le livre de Tobie dans vos testaments. Oui, c'est ça, il faut refaire le testament. Alors, la règle d'or est ici sous la forme négative qui dit « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Et Jésus est venu rendre positive cette règle d'or en disant « Fais à l'autre ce que tu aimerais que l'autre te fasse. » Et cette règle devient donc un peu plus exigeante. Parce que c'est facile dans le « ne pas ». Je ne fais, tu te rappelles, hein, du ne pas. Je ne fais à personne du mal, je ne fais pas. Mais Jésus lui vient nous dire, fais. Oui, parce que dans le jugement dernier, la question qui nous sera posée, j'avais faim. Est-ce que tu m'as donné à manger? Non, donc, je n'ai pas fait mal. Oui, c'est ça, je n'ai pas fait mal. C'est là qu'il dit, non. Je ne suis pas dans le ne pas, je suis dans le fait. Donc Jésus vient rendre positif les choses. Il dit, non, il faut qu'on sorte un peu de là. Je suis tranquille dans mon coin, je ne dérange personne, je n'appelle personne, je ne veux non plus que les gens me dérangent. Mais Jésus nous dit, va, fais quelque chose. Va. C'est ce qu'il dit, ce qu'on attend des autres, ce qu'on veut que les autres fassent de nous, faisons ça. Donc, donnons à manger, donnons à boire, donnons. Voilà un peu la règle d'or qu'on peut retrouver dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 31, dans le livre du Lévitique aussi avec Moïse, cette règle d'or revient. Alors, le temps est presque fini, on a beaucoup débattu. Mais j'avais voulu qu'on médite un peu le texte de Tobie, mais vous irez lire ce texte à la maison. Je vais juste faire des commentaires, comme on n'a plus assez de temps. Le texte de Tobie, chapitre 8, du verset 1 à 18, verset 18. Donc, le chapitre 8 du livre de Tobie. Dans ce chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Tobie, le fils, va se déplacer pour aller chez Raguel, qui est un parent de son père. Et en allant, l'ange Raphaël va l'accompagner sous l'aspect humain et va lui donner des conseils, des instructions. Arrivé chez Raguel, Tobie va voir Sarah et va tomber amoureux. Il va donc décider d'épouser Sarah. Mais les parents de Sarah ont peur parce que jusqu'à présent, Sarah a perdu 7 maris tués par Asmodée. Mais ils ne vont pas dire ça à Tobie. Tobie va épouser Sarah. Avant de consommer le mariage, Tobie va se mettre en prière. Il va dire à Sarah, prions, prions, prions. Et c'est avec la prière que Asmodée sera chassé. Il va aller au désert et sera maîtrisé par l'ange Raphaël. Nous voyons donc comment la prière peut nous libérer. Et Jésus, dans les évangiles, lorsqu'on lui présente un enfant que possédé par un esprit qui rendait sourd et muet, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Ce genre-là, ce n'est que la prière et le jeûne, l'autre évangéliste précise. Alors, il y a la prière qui nous libère de certaines choses, de certaines situations. Maintenant, il y a la peur. Des beaux-parents, ils ont peur parce qu'ils manquaient un peu de confiance. Ils disent, notre fille, les gens meurent. Et qu'est-ce que Raguel va faire? Il va aller pendant la nuit creuser la tombe. Il va dire, oui, il va creuser la tombe de Tobie. Parce qu'il savait que depuis que ma fille se marie,
tous meurent. Donc celui-là, voilà encore un autre mort qui est arrivé dans la famille. Il va aller la nuit creuser la tombe. Il finit de creuser la tombe et il dit à ses serviteurs, au petit matin, on ira prendre le corps de Tobie dans la chambre discrètement, qu'on va enterrer sans que personne ne sache. Parce que c'était déjà une humiliation. Alors au petit matin, il envoie une servante. Va voir s'il est déjà mort. Alors, la servante arrive dans la chambre et voit Tobie et Sarah profondément endormis. Parce que quand ils ont fini de prier, le mauvais esprit est parti, ils sont tombés dans un sommeil mystique. Alors, ils dormaient profondément. Quand la servante sort de la chambre, bon, les parents attendaient qu'ils disent que, bon, envoie les serviteurs porter le corps. Elle dit, non, il n'est pas mort, il dort. Alors, ça fait comme un changement auprès des parents. Ils disent, ah, Dieu merci. Et quand la servante dit, il n'est pas mort, c'est en ce moment que Raguel dit à ses serviteurs, allez vite fermer la tombe. Oui. Allez vite fermer la tombe et venez pour qu'on prie. Ils sont allés vite fermer la tombe, ils se sont mis à prier, à prier, à prier, à rendre grâce au Seigneur. Le matin alors, Tobie et Sarah se lèvent et Raguel va organiser une grande fête pour dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il divise sa richesse en deux qu'il va donner à Tobie. Parce que dans la mentalité, c'était l'homme qui devait doter la femme. La question de la dot, peut-être ça n'existe pas ici. Mais en Afrique et partout ailleurs, ça a une forte influence, mais parfois ça change. Dans certains pays, c'est la femme qui dote l'homme, dans d'autres, c'est l'homme qui dote la femme. Mais dans le cas d'espèce, c'est l'homme qui devait donner une contribution à la famille de la femme pour prendre leur fille. Mais avec ce miracle qui vient de s'opérer, Raguel dit, non, c'est moi qui vais vous donner une partie de mon héritage. Alors, il divise son héritage en deux. Il donne une partie à Tobie et à Sarah. Il garde l'autre partie et il leur dit, après ma mort, la partie que j'ai gardée pour moi et ma femme vous appartient. Oui. Donc, il dit, après ma mort, venez. Donc, vous voyez comment, quand Dieu se manifeste dans notre vie, il nous donne cette joie. Comment on peut se retrouver les liens forts qui unissent la famille. Et le thème du mariage qui revient ici nous fait comprendre que on doit toujours mettre Dieu au cœur de notre mariage. Pourquoi Tobie n'est pas mort? Il devait être la huitième victime. Mais il n'est pas mort parce qu'il a dit, on met Dieu au cœur de notre mariage. On met Dieu au milieu. Avant quoi que ce soit, le mariage, c'est trois personnes. C'est la femme, c'est l'homme, c'est Dieu. Alors, cette façon de mettre Dieu au cœur du mariage a sauvé la vie de Tobie et a redonné la joie à toute la famille. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. Donc, vous pouvez lire tranquillement ce texte. Peut-être le mois prochain, en avril, on pourra revenir là-dessus pour me dire ce que vous avez, ce qui vous a capté, ce qui a retenu votre attention. Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est qu'on regarde à la mort du défunt, il y a une héritage, il y a souvent des chicanes entre les enfants à la distribution des biens. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as fait ton testament spirituel? Non, je peux pas en faire.
c'est ça, d'accord. Alors on a dit, c'est un élément qui nous avait échappé, le testament spirituel. Alors avec le livre de Tobie, on comprend qu'il nous faut un testament à trois parties, à deux parties, sans oublier l'aspect spirituel. Loué soit Jésus-Christ. Merci beaucoup.